crois que c'est le miaulement de mon chat. Moi. Quand ça va être. Quand il y a un beat. Comme ça, tu peux poser dessus. Ouais, je vois. Moi, j'aime bien le bruit des vents, du vent dans les arbres, dans les champs de blé. Pourquoi c'est le déballage du snack, tu vois. Tu t'apprêtes à manger les fruits. Le bruit des gouttes d'eau qui tombent sur la tente quand on est en camping, quand il pleut. Ah ouais, c'est profond. Hein. Moi, j'aurais dit le bruit d'un marqueur. Voilà, c'était ça la blague. C'est quoi une manifestation d'aveugle? Comment appelle-t-on une tomate avec une cape? Super tomate, mais c'est pas fini. Comment appelle-t-on un concombre avec une cape? Un festival de cannes. Ah, c'est bon ça. Super concombre. Non, un concombre qui se prend pour super tomate. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Voilà. Et la mer ont la mer en commun. Mais je sais pas la suite. Un instant, rien qu'un instant. Un instant, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Boris Vian. Je pense que le bras de 9 mètres, hein. Directement. Bah, sinon, on ne peut plus manger les caramels ou enfin d'autres. J'ai choisi un bras de 9 mètres parce que j'ai trop mal mes dents pour manger. Ouh. Ouais, mais après c'est difficile pour conduire, etc. Tu conduis pas, tu te déplaces sur tes bras. Le bras de 9 mètres, tu prends le télécommande, la manette. Parce que ça, tu peux éteindre la lumière quand t'es dans ton lit. Ou écrire ton texte de loin. C'est bien ça aussi. Moi, bras de 9 mètres. Ouais. Comme ça, je peux tout toucher en étant là. Pas mal ça, ouais. Ah, je pourrais pas. Le bras de 9 mètres, bah, tu peux pas le ranger ou quoi. Alors que les dents à la limite, bah, tu manges de la purée. Tu rentres chez toi comme ça. Ouais. Tu fais du. Ouais, franchement, c'est sur la perche, mais soit au bras de 9 mètres. Non, les bras. Mais c'est horrible. Moi, ouais. Je préfère ne pas avoir de bras que manger la purée toute ma vie. Une meilleure version de moi-même. Ouais. Wow. Ça, c'est profond. C'est profond, ouais, c'est beau. C'est beau. Franchement. Un petit chat comme ça qui peut se coucher au soleil. Moi, en dragon. Tu vois, un chat. Tu peux pas te marier tous les jours, ça, un chat. Ah, ça va faire cliché. Mais... Un chien. Ouais, un oiseau. Le lion, c'est bien. Tu fais rien, on te ramène à manger. T'es materné à fond. C'est pas bien, hein. C'est super sexiste ce que je viens de dire. Il est machiste. Non, du tout, mais voilà, le lion, c'est stylé quand même. Ça reste le lion. Aslam le macho. Non, arrête de dire ça. Désolé. Putain, et là, vous faites. Oui. J'insulte tout ce qui est possible et imaginable. Donc même les gens qui n'ont absolument rien fait, j'insulte. Putain, ouais. Et surtout les gens qui me demandent « Ça va ?»« Mais non, ça va pas. Mais non, ça va pas. » Oui. Aïe. Moi, je dis rien, mais je sais plutôt c'est peut-être là. Oh, ouais. Ah. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est pas l'imprimante qui a un problème, c'est le papier. Non, c'est pas le papy qui a un problème, c'est l'imprimante. C'est ça, c'est la citation. Ne naît pas femme, on le devient. Le travail paye toujours. La réflexion tue la parole lorsque la parole n'a pas triomphé de la réflexion. Il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à des solutions. Le courage, c'est d'aimer la vie et regarder la mort d'un regard tranquille. En gros, vive la vie à pleine main. Comment on va? Genre, ton défaut? Ouais, mais on se connaît pas, c'est... Le fait qu'il soit macho, parce que je sais qu'au fond de lui, il n'est pas vraiment... Arrête de dire... Il est de prime abord, et en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que... Là, il y a 200 personnes qui ont dit que je suis macho. Ouais, après, ça... À toi de te justifier après, pendant ton texte. Le plus gros défaut de Ruslan, c'est qu'il n'en a pas. Voilà, donc elle a pas de défaut, voilà, c'est ce qui m'inspire le plus d'admiration. Comment on va? C'est pas une bonne fiction. Tu l'as? Genre. Harry Potter? Bah oui! Même. Ah, mais juste. Tu veux Kamehameha? Si tu veux. Kamehameha! Ah, ça, c'est son goût. Despacito. La pire chanson, ça. Ramener la coupe à la maison. C'est la danse des canards. T'es une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden.
Ah ouais, vas-y. Mais je vais pas le faire le début. Stop, stop, non, non. Vas-y, stop. Baby, chat, tu. Voilà, passez une bonne soirée.